m'appelle Tristan Moll, je fais de l'escrime depuis l'âge de 6 ans. Donc je suis escrimeur au club Omnisport Argonais. J'ai un bon placement, après des bons réflexes et j'analyse bien le jeu de mon adversaire. Il faut que je travaille l'attaque parce que j'avance pas trop et aussi quelques petits défauts de déplacement. J'en fais plutôt pour m'amuser. Et si je peux, j'aimerais bien aller plus loin quand même. Cette année, j'aimerais bien réussir à avoir de bons résultats pour pouvoir participer à la grande compétition nationale. Je m'appelle Héloïse Pelletier, je viens du club d'escrime du Médoc, j'ai 15 ans. J'aime tout dans l'escrime. Le fait qu'il n'y ait pas que la force physique, il y a aussi de la stratégie. J'ai une bonne défense. Après, attaque, j'exploite pas assez, mais je pourrais attaquer bien de loin, faire des longues attaques. Donc, j'utilise plus ma taille pour attaquer de plus loin. J'ai fini l'année en faisant deuxième à la fête des jeunes, donc c'est le championnat de France M15. J'ai fait troisième au circuit élite M17 et j'ai fait championne d'Aquitaine. Je m'appelle Hélène Jarassier, j'ai 15 ans, je suis escrimeuse et je suis au club d'Ornon. C'est une passion depuis que j'en fais depuis petite. J'adore la créativité, comment on va faire pour amener la touche. C'est un sport très complet qui a besoin de mobiliser le mental, le physique, la technique, la tactique. En 2017, j'avais 14 ans, j'ai fait un podium à la fête des jeunes. Je suis arrivée troisième en individuel et par équipe. Et en 2018, à 15 ans, j'ai été sacrée championne de France par équipe en surclassé.